Peu de personnes le connaissent, mais voici un wallet Web3 qui me change la vie. Il me permet de générer des profits, stocker toutes les crypto-monnaies que je veux de manière sécurisée et décentralisée, et d'avoir accès à mes crypto-monnaies avec une interface intuitive et peu complexe, donc pour les débutants et les experts. Vraiment, cet outil, je peux plus m'en séparer, j'utilise tous les jours. Si vous êtes prêt à comprendre comment vous allez pouvoir l'utiliser et tous les aspects qui tournent autour, donc générer des profits, sécuriser vos cryptos, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car on vous apporte de la plus-value sur cette chaîne YouTube. Mardi, vendredi et dimanche à 17h, soyez au rendez-vous car il y a une vidéo. Si vous êtes prêts, on va découvrir ce wallet Web3. Le wallet en question, il s'agit de BitGate Wallet. Très intuitif à l'utilisation. En effet, en fait, il s'agit de BitKeep. Et BitGate a racheté le wallet BitKeep qui est devenu maintenant BitGate Wallet. C'est un wallet spécial Web3 qui nous offre pas mal d'options. Déjà, il y a plus de 90 réseaux blockchain différents qu'on peut utiliser. C'est vraiment un truc de ouf. Il y a presque aucun wallet qui nous permet cela. Plus de 250 000 crypto-monnaies à pouvoir stocker directement. Il y a plus de 12 millions d'utilisateurs déjà, donc ça montre la confiance qu'il y a derrière. Mais c'est surtout toutes les applications qui sont développées et intégrées au wallet. C'est vraiment un wallet où je fais tout dessus, les amis. J'ai un échangeur décentralisé qui me permet d'échanger mes crypto-monnaies. Donc, je peux échanger de l'Ethereum contre du BNB, de l'USDT. Bref, tout ce que je fais sur un truc classique, je le fais de manière sécurisée et décentralisée. Je peux même aussi acheter des crypto-monnaies directement avec ma carte sur l'application. Je peux même aussi trade les futures directement dessus. Mais le plus intéressant, c'est que c'est mon portail Web3. Je vais stocker mes NFT. Je vais interagir avec des marketplaces de NFT. Donc, pour vendre mes NFT, en acheter, etc. Je vais pouvoir interagir avec 20 000 applications décentralisées différentes qui vont m'offrir des opportunités. On va revenir dessus, je vais pouvoir faire du stacking bien évidemment, hyper intéressant, et avoir mes fonds sécurisés, et c'est moi qui détiens ma clé, donc bien évidemment vous connaissez le fameux dicton, not your keys, not your crypto currencies, là c'est moi qui détiens mes clés. Pour télécharger, je clique sur download et je vous mettrai un lien dans la description car grâce à moi vous allez pouvoir avoir des petits cadeaux assez croustillants les amis. Je vais tout vous expliquer. Je vous invite à le télécharger sur votre téléphone, on va aller sur notre téléphone juste après. C'est le mieux, c'est là où on va pouvoir avoir toutes les opportunités. Sur l'ordinateur c'est assez médiocre dans le sens où il n'y a pas tout ce qu'on a sur le téléphone disponible. Mais si vous utilisez l'ordinateur pour interagir avec la DeFi, vous êtes déjà un expert, ça peut être intéressant. Quand vous le téléchargez, vous cliquez sur le truc download sur l'App Store, et comme d'habitude, comme chaque wallet, c'est toujours la même chose. Vous allez créer votre compte, récupérer les 12 mots-clés à garder bien évidemment sur un bout de papier caché chez vous, car ça donne accès à vos crypto-monnaies. Et si jamais vous voulez avoir plus de détails sur les wallets et vous avez des questions, on a fait une vidéo complète sur les wallets crypto-monnaies dans la vidéo qui s'affiche à l'écran et en haut à droite sur le i. Me voilà directement sur mon téléphone, je vais cliquer directement sur BitGate Wallet, et normalement vous allez arriver sur une interface de la sorte. Vous allez cliquer sur le profil, très important, et cliquez sur Invite to Get. Comme vous avez un nouveau wallet, ça va être très simple, vous allez pouvoir rentrer un code. Vous allez devoir rentrer ce code-là, si jamais vous voulez soutenir, et du coup tenter de gagner jusqu'à 400$. Donc c'est BitGate qui régale dans leur prize pool, donc on peut gagner vous et moi, c'est assez cool, donc tous ceux qui veulent mettre le code, allez-y. Ensuite, la deuxième option que vous avez, donc je vous offre aussi du BNB, les amis. Vous allez cliquer sur Red Packet, ok, et vous allez cliquer sur Receive Red Packet juste ici, et vous allez pouvoir cliquer sur Claim, et pour avoir le code, tout simplement, vous allez dans le lien dans la description, pareil, là je vais copier le lien, je le mettrai dans la description, il est juste ici, donc assez simple pour vous, et vous allez pouvoir rentrer le code, donc il y a 10$ en BNB à gagner. Donc voilà, dès que vous êtes inscrit, normalement tout est fait. Bien évidemment, si vous voulez vous inscrire aussi sur l'exchange BitGate classique, vous avez aussi le lien dans la description. C'est assez cool d'avoir les deux, ils se mélangent bien, et ça vous permet aussi d'avoir jusqu'à 8000$ de bonus grâce à nous, et avoir des quêtes comme celle-ci qui vous fait gagner pas mal d'argent. Quand on arrive sur le wallet, comment l'utiliser, c'est assez simple. Vous avez ici deux options, donc imaginez que je suis sur la blockchain Solana, je peux cliquer sur Receive, avoir mon adresse Solana juste ici, c'est hyper cool, et je peux cliquer sur Send pour envoyer mes Solana juste ici. Il y a même la crypto-monnaie Casper, donc Harmony One, bref, il y a vraiment toutes les crypto-monnaies. Je peux directement faire des swaps intégrés, ça c'est hyper cool pour échanger mes crypto-monnaies, tu vois, de façon décentralisée. Ce que j'aime beaucoup, c'est aussi je peux en acheter, donc je peux cliquer sur Buy Crypto, et avec ma carte bleue, je peux acheter des crypto-monnaies avec ma Mastercard, en passant par Simplex, MoonPay ou Alchemy Pay. Là, c'est essentiellement toutes les options que vous avez, c'est hyper intuitif, et c'est hyper cool d'avoir nos Bitcoins, nos Ethereum et nos Solana sur le même wallet. Ça vous permet de garder le compte et de voir tout l'argent que vous avez au même endroit. Donc voilà, ça c'était comment utiliser essentiellement les options que vous avez. Donc vous avez swap, vous avez aussi du coup plein de crypto-monnaies hein, qui sont tendances. Vous pouvez regarder des listes, la liste juste ici, vous pouvez les acheter. Vous avez les top gainers, vous avez les nouvelles crypto-monnaies, donc tous ceux qui aiment les meme coins, les shitcoins, les trucs comme ça, vous les avez ici, donc ça c'est cool. Donc maintenant on a fait un peu le tour du wallet, il est temps de passer aux opportunités, comme ça vous allez pouvoir générer des profits. Donc déjà, première chose qui est intéressante avec ce wallet, c'est qu'on peut tout faire, donc voilà, mais aussi ça nous donne des opportunités.
La première opportunité, c'est les NFT. Si je me connecte vite fait sur mon compte, voilà, vous avez vu tous les NFT que j'ai. J'ai réussi à vendre un NFT, les amis, à 90 Matic. J'ai récupéré 90$ avec un NFT que j'ai récupéré simplement en faisant des quêtes. Voilà ce NFT là, par exemple, je l'ai récupéré en faisant des trades futurs directement sur l'application BitKeep. Ok, je suis allé dans Dapps. Donc là, c'est plus disponible, mais il y avait plein de quêtes. C'est pour ça qu'il faut rester à l'affût sur BitGate Future. Et du coup, j'ai fait un trade et ensuite ça m'a donné du coup ce NFT là. Et j'ai pu le revendre. Là, je peux revendre et récupérer 29 Matic par exemple. Je peux cliquer sur Sell et le revendre. Donc c'est ça la première opportunité, c'est tous les NFT. Vous allez pouvoir gagner des NFT avec les différentes quêtes. Je vous invite à être à l'affût ici avec toutes les notifications, leur Twitter, leur Telegram, etc. Donc vous tapez juste BitGate Wallet sur Twitter et vous allez trouver. Ne vous faites pas scam, trouvez le compte officiel. Et après, vous allez pouvoir aller sur la marketplace NFT, le vendre. Vous pouvez créer des collections, vous pouvez faire des free mint, donc récupérer des NFT gratuits. Très simplement, les amis, c'est assez cool. Vous le voyez juste ici, on peut minter là pas mal de choses pour des airdrops aussi. On en parlera juste après. Donc voilà, la première opportunité, c'est les NFT. La deuxième, c'est le stacking. Donc on peut stacker nos Ethereum directement ici avec Lido, plateforme de liquid stacking. C'est assez complexe, mais voilà, je peux stacker mes Ethereum et avoir un rendement de 3%. Donc ça, c'était la deuxième opportunité, le stacking. Troisième, c'est le yield farming et les applications que vous avez ici. Vous allez comprendre dans la vidéo 7 revenus passifs. On en parlait rapidement. Donc liquidity providing, etc. Donc je vous invite, elle s'affiche à l'écran et en haut à droite. Vous allez pouvoir cliquer sur PancakeSwap par exemple, qui est un échangeur décentralisé, et vous allez pouvoir supply de la liquidité, donc mettre à disposition de la liquidité. Vous cliquez sur liquidity et vous allez pouvoir cliquer sur add liquidity. Vous allez pouvoir générer des revenus. Vous avez vu, l'interface est assez cool. Par exemple, dans mon wallet, j'ai du BNB et j'ai de l'USDT. Au lieu de les laisser rien faire, je vais les faire travailler. Je vous invite aussi à regarder des vidéos pour vous renseigner sur le mécanisme. Là, je peux mettre, voilà, je dépose 1 BNB et 118 USDT. Mais là, vous allez voir, j'ai un rendement de 1100%, les amis. Imaginez que je mette 100$ sur la pool en 24 heures. Je peux espérer faire pas mal de choses, donc jusqu'à 80$ par exemple. Je vous invite à regarder tout cela. On a aussi l'option earn en bas à droite, farms et pools. Et là, vous avez du stacking 7% sur le cake. Si je vais dans les fermes, du coup, les farms, par exemple, si je provide de la liquidité pour l'USDT, le BNB, et bah, je peux les mettre là et gagner jusqu'à 12% supplémentaire en API. Donc, vous le voyez juste ici. Ça, c'est la troisième opportunité que vous avez. Vous l'avez sur PancakeSwap, vous l'avez sur Uniswap. Vous avez, voilà, plein d'applications. Vraiment, allez vous balader, les gars. Il y a tellement personne que vous pouvez vous amuser à trouver pas mal d'opportunités et vous avez pas mal de choses à faire. La quatrième opportunité, et celle que j'aime bien, c'est les airdrops qu'ils mettent en place. Du coup, pour développer une communauté fidèle, etc., là, vous avez vu, on a jusqu'à 20 000$ à gagner. Donc, si je clique sur Join Now, je vais cliquer sur Join Now. On a jusqu'à 1000$. Donc, je peux cliquer. Et là, j'ai déjà récupéré. Bon, j'ai gagné que un NFT comme ça. Vous allez pouvoir le copier. Ok. Et du coup, ça, c'est une boîte mystère que j'ai gagnée. Et normalement, ma boîte mystère, si je la récupère, je peux gagner jusqu'à 1000$. Cependant, à l'heure actuelle, comme je suis pas un nouvel utilisateur, je peux pas. C'est dommage. Mais sinon, j'aurais pu récupérer quelque chose. Mais regardez, le Red Packet, par exemple, que je vous ai parlé au début, hein, les BNB que je vous offre moi, bah là, j'aurais tapé le code ici, cliqué sur le Claim Red Packet. Mais c'est que pour les nouveaux utilisateurs. Donc, je peux pas le récupérer, ma mystery box. Donc, les airdrops, il y en a pas mal et c'est vraiment une opportunité de ouf. Et honnêtement, je vous invite à farmer les airdrops dessus. Et vous pouvez cliquer directement sur un écosystème. Par exemple, sur la chaîne YouTube, enfin sur le Discord, vous êtes au courant qu'il y aura potentiellement un airdrop Zcashing ou OPBNB si vous me suivez sur Twitter. Et là, vous avez toutes les applications autour de cet écosystème que vous allez pouvoir tout simplement cliquer juste ici. Voilà, différemment sur Rhino, etc. Et interagir, faire des interactions et être potentiellement éligible. Que ce soit pour Base, Linea, Zcashing. Vous avez pas mal de choses. Vous avez Arbitrum, Optimism, Mental. Vous avez vu, même Mental, il y a un airdrop qui arrive. Fait une vidéo sur la chaîne secondaire. Vous avez des quêtes juste ici pour gagner des points. Donc, un price pool de 5000$, vous l'avez vu, hein. Et il y a vraiment personne qui le fait, donc je vous invite à la regarder. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais aborder dans cette vidéo. Les opportunités de ce wallet. Vraiment, je m'en lasse plus. Le fait de garder toutes mes crypto-monnaies, toutes les opportunités que ça m'offre. Juste le fait de faire 100$ avec un NFT comme ça. Je dormais, je me suis levé, j'ai gagné 100$. Ça m'a fait plaisir. Donc voilà. Bien évidemment, le lien sera dans la description. Si vous voulez plus de vidéos comme ça, abonnez-vous, likez. Et bien évidemment, consultez GAZ Learn pour toujours plus de connaissances. À plus.